on a eu un bon état d'esprit. Après, on n'oublie pas qu'on a perdu le match aussi. Donc là, ce week-end, il faut mettre l'état d'esprit, mais aller chercher peut-être ces 5-10% en plus pour gagner ce match. Et comme j'ai dit tout à l'heure, repartir sur une dynamique positive et gagner tout simplement. Parce qu'on sait que mentalement, c'est important pour nous de pouvoir enchaîner les victoires. Donc ça commence par ce dimanche. Essayer de continuer à construire sur ce qu'on a fait la semaine dernière. On a profité aussi de la Coupe d'Europe pour aussi rééquilibrer un peu les groupes, que tout le monde, tous ceux qui avaient joué un peu moins, il y en a beaucoup qui ont eu le Covid ou autre, qui puissent jouer un peu, ceux qui avaient joué un peu beaucoup, qui tournent un peu. Et donc l'idée, c'est que le principal objectif, c'est beaucoup faire un... progresser par rapport à notre semaine dernière à Bristol, où les matchs étaient intéressants de notre part. Mais on sait qu'on peut faire beaucoup mieux et on ne s'est pas trop focalisé sur eux. On a pensé à nous, on sait qu'on pouvait faire encore mieux en défense, même si on a très bien défendu à Bristol. On a pris 2 essais sur pénalité rapide ou autre. Et surtout en attaque, on a vu que dès qu'on arrive à mettre à la vitesse et jouer les jeux qu'on travaille, on est dangereux. Donc on va essayer de les mettre en place. Quand on a joué la première fois, on n'avait pas aussi bien géré peut-être les zones où on jouait. Konak, c'est une équipe qui gère bien l'occupation. Et donc ça va être quelque chose qu'on va faire attention pour ce match. Et puis peut-être la fin de match aussi pour le match de Konak, on a peut-être pas trop bien géré non plus. Du coup, ça va être des focus pour ce match. En goût de revanche, je sais pas, mais c'est sûr qu'on a mal négocié ce premier match de Coupe d'Europe. Mais le principal, c'est qu'on arrive à rebondir. Il faut qu'on rebondisse de suite, là, ce week-end, parce que ça fait quand même quelques matchs où on a un peu de mal. Donc c'est à nous de redémarrer une dynamique plus positive. On s'est focalisé beaucoup sur nous. C'est vrai que c'est une équipe qui est très bien structurée, qui sait bien le rugby qu'il joue, qui occupe bien le terrain, qui est très dangereuse une fois qu'il rentre dans les 22 mètres adverses. Donc c'est vrai qu'au match aller, on avait été dans les matchs une bonne partie, avec une météo difficile. Ils avaient bien profité de chaque occasion qu'ils ont eu en première mi-temps, on était à 19-9. Et après on a eu une fin de match très mal gérée. Peut-être pas cette mentalité de la dernière chance, mais pour nous, c'est on n'a rien à perdre. C'est le dernier match de la Champions Cup. Pour nous, c'est juste d'aller prendre du plaisir et d'installer notre jeu. Après, le résultat, on verra ce que ça donne. Mais pour nous, c'est juste de se concentrer sur nous et de prendre du plaisir et vraiment de jouer notre jeu. On a besoin de gagner, on le sait. Et ça commence par ce match dimanche, mais la saison est encore longue et pour nous le plus important c'est de bien figurer et de regagner le plus rapidement possible.